Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Shalom, shalom, paix et joie du Christ. Frères, sœurs, je te souhaite un très 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 bon matin. Et je demande au Seigneur de venir se manifester à toi en ce matin durant cette prière, afin que tes soucis se transforment en joie, afin que tes difficultés aient des solutions, afin que ce matin soit un matin où tu expérimentes la gloire et la puissance de Dieu. Alors, quelle que soit ta situation, quel que soit ce que tu traverses, quel que soit comment tu t'es réveillé ce matin, dis comme le psalmiste David: mon âme bénit l'Éternel, bénit le nom de l'Éternel, bénit le nom de Jésus et n'oublie aucun de ses bienfaits. Voilà, commence à exalter ton Dieu, commence à bénir ton Dieu, commence à dire merci au Seigneur pour le souffle de vie, pour tout ce qui fonctionne dans ta vie. Et même remercie-le pour tout ce qui ne va pas. Rentre dans cette action de grâce. Rentre dans les parvis du Seigneur avec des acclamations et des actions de grâce. Parce qu'il en est digne, quelles que soient les circonstances de nos vies. En ce matin, l'Évangile nous dit, dans Luc 9, verset 1, il leur donna pouvoir et autorité sur tous les démons et de même pour faire des guérisons et les envoya proclamer le règne de Dieu et guérir les malades. Parole du Seigneur. Alors Jésus donna ce mandat aux 12 apôtres. Mais également Jésus te donne ce mandat ce matin parce que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel, sur la terre. Et ce pouvoir, il nous l'a également donné par son nom. Alors mon frère, ma soeur, tu es mandataire de Jésus-Christ. Là où tu es, dans ton travail, dans ta famille, au milieu de ton quartier, dans ta paroisse, Jésus te mandate pour que le règne de Dieu soit effectif là où tu es. Alléluia. Alors nous allons élever celui qui a reçu tout pouvoir, celui qui a tout pouvoir. Nous allons élever celui qui est Dieu. Nous allons élever celui à qui toute louange revient, à qui toute puissance revient, à qui tout honneur revient. Alléluia. Jésus, tu es élevé. Alléluia. Oui, tu es élevé. Au-dessus de tout, tu es élevé. Au-dessus de tout, oui, tu es honoré. Au-dessus de tout, tu es acclamé. Au-dessus de tout, tu es loué. Au-dessus de tout, Jésus, tu es adoré. Au-dessus de tout, Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Nous chantons Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Tu as le pouvoir au-dessus de tout pouvoir, Jésus, 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 Jésus. Tu
au-dessus de tout. Tous les anges se prosternent devant toi et t'adorent nuit et jour. Alléluia. Jésus, Jésus, pour l'éternité, tu es élevé au-dessus de tout. Tu es acclamé au-dessus de tout. Nous ne devons pas avoir un autre Dieu que toi. Tu es honoré au-dessus de tout. Est-ce qu'il y a en quelque chose que tu crois, mon frère, ma soeur, qui est au-dessus de ta foi en Jésus? Est-ce qu'il y a en quelque chose que tu crois, mon frère, ma soeur, qui t'éloigne de la foi en Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce qu'il y a quelque chose en quoi tu es attaché et qui est au-dessus du pouvoir de Jésus-Christ sur ta vie? Alors, il ne doit pas avoir cela dans ta vie. Jésus-Christ est à la plus haute place. Jésus-Christ prend même toute la place de ta vie. Jésus-Christ est élevé, Jésus-Christ est honoré, Jésus-Christ est acclamé, Jésus-Christ est proclamé dans nos vies. Dans tout ce que nous faisons, nous le mettons à la place centrale. Alléluia. Alors ce matin, la prière que tu vas élever, tu vas dire au Seigneur, Seigneur, que tout ce que tu m'as donné, que je puisse en bénéficier totalement. Que je puisse me départir de toute idolâtrie, de tout ce que je prends et qui n'est pas de toi. De tout ce que je fais et qui n'est pas de toi. De tout ce en quoi je crois et qui m'éloigne de toi. Seigneur, prends la place. Seigneur, viens et sois élevé dans ma vie. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Philippiens 2 que Jésus-Christ a la plus haute place. C'est le Seigneur, le Père de grâce, le Père de gloire, qui l'a élevé à la plus haute place. Alléluia. Car il s'est fait pauvre jusqu'à la place la plus basse. Alléluia. C'est pourquoi Dieu l'a élevé. Alors quand tu dis, quand tu chantes Jésus-Christ soit élevé, c'est pas que Jésus-Christ prend une autre place, parce qu'il est déjà à la place la plus élevée. Alléluia. Mais c'est dans ta vie que tu élèves Jésus. Si Jésus avait la troisième, la quatrième place, il faudrait que Jésus soit à la plus haute place, soit élevé, soit l'étendard de ta vie. Alléluia. Alors nous allons l'élever encore. Tu es élevé dans ma famille. Tu es élevé parmi mes amis. Tu es honoré dans le pays où je suis. Tu es acclamé de jour comme de nuit, dans mon âme et dans ma vie, Jésus. Tu es élevé au-dessus de tout. Seigneur, nous te disons merci. Merci, Jésus, pour ta grâce, pour ta gloire, pour ta puissance, pour ta présence. Ô Jésus, que nous puissions rester attachés à toi, que nous puissions te servir, que nous puissions t'adorer, que nous puissions devenir ces véritables adorateurs que le Père recherche, qui marchent selon tes voies, qui écoutent ta voix, qui marchent selon tes préceptes et tes volontés, et qui sont constamment liés, attachés à toi, Jésus, car tu es le maître de toute vie. Que le Seigneur nous garde. Que le Seigneur fasse resplendir son visage sur nous. Que le Seigneur nous éclaire de par sa lumière. Que le Seigneur nous fasse resplendir nous-mêmes devant ce monde. Et que le Seigneur nous bénisse et nous garde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.